Ah, c'est la fête des hommes. Il faut qu'on sente cela. Alors, j'ai décidé qu'un homme représente tous les hommes aujourd'hui. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Je voudrais vous faire une grande annonce. Président Laurent Koudou Gbagbo, est-ce que vous me le permettez? Le président Laurent a été baptisé catholique, mais dans son cheminement, à un moment donné, il a quitté l'Église pour se faire évangélique. Et après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit « Non, je reviens ». Je reviens dans la religion dans laquelle j'ai été baptisé. Mais alors, en revenant, il dit ceci, oui, j'ai été baptisé, mais catholique, j'ai porté uniquement le nom. Mais maintenant que je reviens, je veux être un catholique militant. Alors, au nom de toutes les femmes et de tous les enfants qui nous fêtent aujourd'hui, hein, elles nous fêtent, je te donne ce chapelet. Voilà. Alors, en te donnant ce chapelet, je vous confie à la Vierge, parce que le train de la réconciliation est sur les rails, mais il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la paix. La Vierge vous accompagnera pour que cela soit vraiment une réalité pour toute la Côte d'Ivoire. Encore une fois, bonne fête des papas. À tous.